Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 21. Alors 21, il est où? Il est là. Donc le petit œil et l'indice. Qu'avons-nous aujourd'hui? Oula, c'est un long indice. Du Halloween jusque dans ta cuisine. Ah, bon, alors c'est un truc pour la cuisine. Alors attendez, on va essayer de. En fait, c'est un peu mou. Ou des crochets. Des glaçons, des glaçons. Enfin, c'est un truc pendant les glaçons. Je ne sais pas. On va voir si c'est ça. Moi aussi, je vais vous faire. Bah, vous avez dû voir un bac à glaçons, mais en fait, c'était plus pour l'utiliser pour avec la pâte pour faire des moules, en fait. Vous savez, avec la pâte de chaque son, moi j'aime bien faire ça. Bon, je galère un peu, comme d'hab. Oula, alors attends. Attendez, un petit mot. Bonus, œuf au plat. Pour de l'Halloween toute l'année dans ton assiette. Mettre les jaunes d'œufs dans les orbites et le blanc dans le crâne. Oh, génial! Oh, j'adore! Ah, ça va être trop cool! Ah, bah, je vais essayer, je vous montrerai ça. Ah, c'est trop génial! Bon, bah, alors, c'était pas du. Bah, c'est vrai qu'au toucher, du coup, j'ai cru que c'était un bac à glaçons. Effectivement, il y avait ces ronds là. Ah, mais c'est trop bien ça! Ah, trop trop cool! Bon, bah, on va essayer ça, hein. Heureusement, ça va, je suis pas allergique aux œufs. Parce que ma sœur, elle est allergique aux œufs. Elle aura pas pu l'utiliser. Bon, après, on peut essayer, on peut le faire aussi pour des pancakes, des choses comme ça. Donc, en soi, il y a plusieurs utilités, j'imagine. Voilà, bah écoutez, je vous montrerai ça quand j'en ferai. Et puis voilà, ça, on va s'amuser. Bon, bah merci beaucoup, Damien, et on se retrouve demain pour la case numéro 22. Bisous, bisous!